Alors, on est toujours sur The Outer Worlds, mais on est en OpenXR, on est sur l'UEVR. Et ça tourne vachement mieux. Donc, on est en Oculus 1.3 pour la résolution. Boum, voilà. On est en Synchronized Sequential et on est en Skip Tick pour éviter le ghosting sur l'arme. Voilà, on va faire le tour de la ville, comme pour l'autre. Et en courant, ça sera déjà mieux. Et par contre, est-ce que j'aurai une différence ? Au niveau du panorama, je verrai si en fait en profondeur de champ ça va jouer. Mais on dirait que là, au niveau de la ville, c'est très propre. C'est propre ou non, malgré la résolution du Quest 2. Alors, et ça tourne vachement mieux en OpenXR. Le problème, c'est qu'on n'a pas en fait FPS VR d'affichage, on a juste en fait MSI Afterburner qui s'est affiché ou pas. Ouais, super. Allez, on ouvre la porte. Donc pas de problème d'affichage. Alors là on a les... on a tout ce qu'il faut. Ah non non non, c'est bien ça. Oui. En arrière-plan sur l'œil droit, on n'a pas le... l'image du jeu. Oh. Du coup ça fait assez bizarre. Hop. Voilà. Donc j'ai modifié, j'ai essayé de voir en fait en mettant visé par le... par le casque. Mais c'était pas très concluant. Ça permet d'avoir une meilleure précision, mais étant donné que j'utilise déjà ma tête pour m'orienter, c'est pas vraiment compatible. Alors là on va changer de flingue. J'ai pas pris la bonne sauvegarde, j'ai l'impression, parce que là si j'ai un pistolet comme ça face au gorille, ça va pas le faire. Alors bug pas bug, inventaire. Non, il est là mon fusil à énergie. Du coup, non, tu l'enlèves pas, il faut que j'aille à 4, le raccourci, c'est quoi? C'est pas ça, 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 c'est pas ça. Ah, ça y est, j'ai trouvé un bouton pour changer, mais ça a mis un petit peu de latence. Voilà, donc c'est XY, ben, c'est le Y. Là. Donc on repart, on va voir nos amis les singes. Et voilà la profondeur de champ, vous allez voir. Notre montagne. Donc c'est pas le bon angle, ou alors en fait, le vaisseau. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que la profondeur de champ est moins bien gérée là. J'ai pas l'impression que ça tourne aussi. De façon aussi claire. Oh, si. Bon, ça doit être une impression. Ou alors en fait, l'OpenXR chante complètement l'Oculus Home. Et du coup, c'est pour ça que ça tourne à fond, parce qu'il a viré la résolution. Resolution Scale. Il se passe quoi dessus? Oula, par contre, là, ça va. 2. Alors, qu'est-ce que ça me fait? Waouh, 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 waouh. Non, je suis toujours à 72. Dans le doute, on va se remettre à 1.3 ici. Non, mais... là. Voilà, on va rester comme ça. Et là j'ai l'impression que c'est plus conforme en fait à ce que j'avais avec l'Oculus Home. Si ça se trouve, ça prend pas en compte la résolution dans le logiciel Oculus. Comme c'est intéressant. Mais ça tourne apparemment aussi bien, je ressens pas en fait de... Oh purée. Je viens de me péter les deux chevilles. Atterrissage en douceur. Là ça rame un petit peu. Je sais pas combien d'images par seconde s'affiche sur MSI Afterburner, mais n'ayant pas dans l'écran. Ah tiens, mais il n'y a plus de singes là. Bon, bah on va pas pouvoir faire de combat. Ah ouais, puis si je vais là-bas, je vais me faire dissouder par les pillards. Il n'y a plus personne. En OpenXR, ils sont tous morts. Coup. Alors je vais me diriger. Oh. Si. Ah. Un vandale des maraudeurs. Je n'ai pas d'air mis caché, mais que vais-je faire? Alors là, je te rate ou je te touche? Là, c'était. Ouais, c'était suffisamment précis pour pouvoir épauler et tirer. Tiens.
Là, il est rouge le curseur. Oh, il a son clébard qui est bien emmerdé. Je suis en train de tirer sur Thérèse en même temps. Là, ça tourne vachement bien, j'ai l'impression. Je suis assez satisfait de la précision du tir. Et bien que la croix soit décalée, ça permet. Hop. Là, le point était à 1,5 cm environ sur la gauche. Donc ça tirait droit. Alors, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Oh, on va faire les poches. Avant qu'ils disparaissent, ils ont disparu. Donc, vous êtes morts où, les amis? Friends? C'est grâce à vous que je vais devenir riche. Alors, où êtes-vous? Non, mais tout a disparu. Oh, le truc de dingue. Ah, non, il y a le chien. Le mec, c'est un tas... Ok, c'est un tas de poussière ou un tas de cendres. Là, j'ai pas besoin de me baisser. C'est une bonne nouvelle. On dit qu'il y a une idée, on s'en fout. Donc, c'est ça, c'est-il qui m'a chargé. Et où est l'autre? Alors, il est dans les hautes herbes. Coucou. Ah, peut-être que je peux voir le cadavre comme ça. Bah non, il est nulle part. Lui aussi, il s'est transformé en tas de cendres. Bah. Il y en avait un qui était là, je crois. Ouais, ici. Voilà. Donc là, c'est bien au casque, en fait. Il faut vraiment pencher la tête pour déclencher l'action, pour récupérer des objets sur un cadavre. Ou sur un objet, j'imagine. Ah, mais ça tombe super bien, là. C'est une super bonne nouvelle, aussi, sur le Quest 2, là. Un jeu avec une profondeur scénaristique à vous saisir le postérieur, voilà. Parce que c'est pas extraordinaire, mais c'est toujours mieux que les histoires à deux balles. Alors c'est quoi ça? Les canidés bâtards, ils disent Orbitus. Non, Orcus. Allez. Ah, bah j'ai raté Orcus. Oh là là, même là j'ai foiré le tir, là aussi. Il y a une zone de dégâts avec ça, non? Ah non, elle s'éclate en fait à risquer sa vie. Ça l'a fait kiffer la dame. Ah, par contre, hop. Oh, j'ai encore foiré mon tir. Par contre, il a l'air énorme le truc. Quand il est juste en face de moi, on dirait un éléphant là. Ça y est, c'est bon? Ah, j'ai oublié de faire ça en plus. Ça marche pas. Normalement c'est bouton gauche, j'ai plus en fait d'inhalateur là. Je peux plus me soigner. Ok, super. Bon. Est-ce que j'ai récupéré un truc de soin sur ce machin? Attends, j'ai le flot. Normalement c'était la gâchette gauche. Au bouton gauche. Bon, si vous le dites. Je vais pas insister, je vais vous faire confiance. Bon, étant donné qu'au niveau soins j'ai plus rien, on va pas durer très longtemps. Hein. Une prochaine rencontre, ça arrive pas. Bonne nouvelle, les morts. La planète la plus petite du monde, ou plutôt la zone d'exploration, mais il y a tellement de trucs à récupérer qu'on est content. Hein. Et je sais pas comment ces pillards peuvent piller qui que ce soit ou quoi que ce soit, vu leur taux de mortalité quand même. C'est la Death Planet. Et peut-être qu'ils ont voulu se rendre à l'intérieur du complexe qui avait été piraté, et du coup, bah, ils sont mourus. Hop. Alors, à moins que la sauvegarde n'ait pas été accomplie, là j'ai terminé ce truc-là. J'ai détourné le courant, normalement voilà, ils n'ont plus rien sur eux. Donc je peux me casser. Moi je vais juste faire le tour rapidos, histoire de tester en fait le framerate. Et puis basta. Alors je vais me téléporter en ville, j'ai oublié, parce que j'ai fait un tour en ville, mais j'avais pas changé le super sampling via hop la fonction ici présente. Là, voilà, maintenant on est à 1,319. Et ça me semble plus conforme au niveau de la clarté à ce que j'avais en OpenVR, qui prenait en compte lui donc la résolution. Hop. Ah ben, je pensais que j'aurais pu passer de au-dessus, mais ben non, on peut pas. Là, on va pouvoir. Si j'arrive à sauter sur cette pièce, mais non, il y a un mur invisible. Vas-y, continue, enfin, reste, tu vas y arriver. Ouais.
Et là, est-ce que j'ai assez d'élan pour passer? Oh, oui! Donc Janine a fait comment? Elle reste derrière? Bon, en tout cas, c'est chouette. C'est super fluide. Oula. Un boa de cuir. C'est un boa. Ah, je peux rien récupérer en plus. Donc j'ai gâché les munitions pour rien. Et j'ai tué un sympathique boa. Rien que ça, ça fait la trouille, mais bon. Ils ont peut-être rendu service à la communauté. Et je vais essayer de me téléporter. Oh, oh non! Oh non! Non! Prends ça dans ta gueule. Ah, je me suis trompé de bouton. Du coup, c'est pas drôle. Oh, il me lance des boulets. Et bah, je suis mort. Bon, bah, de toute façon, on va réapparaître dans la vie, c'est bien. Comme ça, on va pouvoir faire le test. Continuer. Donc, écran noir en arrière-plan. Pas de dédoublement. Ah zut. Bon bah on va se téléporter. Vous ne pouvez pas vous téléporter. Mais non, je te donne pas des ordres. Je veux juste me téléporter, moi. Carte. Ville. Ville pourrie, elle est là. Centrale géothermique. Ça. Catch water. Oui. Oh c'est bon. Ouf. Alors là, par contre, l'interface, elle est vachement plus complète. Là, j'ai un curseur de visée. Il n'y a pas que la croix. Et il y a les deux arcs de cercle à côté. Ok. Bon, je suis accroupi. Et puis, on va faire un bon pas de charge, en fait, le tir de la place. Et on va arrêter. Et avec un peu de chance, rien ne s'est incrusté au milieu de l'écran. Il semblerait que oui, c'est bon. Bon, ben voilà, si le son a fonctionné, cette fois, j'aurais pu terminer cet enregistrement de The Outer World sur EVR, Quest 2, résolution, donc 1.3 Oculus, ainsi que 1.3 ici, puisqu'apparemment, la résolution Oculus n'est pas prise en compte. Voilà, je me répète, si du moins quelqu'un avait regardé le moment où j'en ai parlé, et on est sur une 4090 et un 5800X 3D et 32Go. Donc c'est enregistré sur deux PC et un laveur média. Voilà, voilà. Et oui, pensez à diviser par deux les FPS à l'écran. Et aussi Afterburner fait cette blague sur certains jeux via l'UAVR. Allez, à bientôt. Ou pas.